Lui a été révélé lors d'un festival créole blues au Moule. Le chanteur camerounais Gino Sidson est de retour dans notre département pour un concert demain soir au Centre culturel Sonis aux Abîmes. Il présentera son 8e album réalisé en collaboration avec plusieurs musiciens guadeloupéens. Paul-Henri Scholl et Christian Danquin sont allés à sa dernière répétition. C'était cet après-midi, regardez. Connaissez-vous Gino Sidson ? Ce jeune chanteur camerounais qui avait séduit les festivaliers du Creole Blues sur la scène de Damankour au Moule. 12 ans après son passage chez nous, cet artiste est resté profondément attaché à notre archipel. Depuis, il s'est lié d'amitié avec de nombreux musiciens du pays, dont René Geoffroy, une des grandes voix du Groka. Ça va être un moment de partage et de... aussi, j'essaie de rendre à la Guadeloupe ce qu'elle m'a donné aussi quelque part. Elle m'a donné mon doctorat, voilà, donc à travers le Goka, bon, voilà, donc à la Sorbonne. Et je dis merci Dieu, et merci de me retrouver là et de pouvoir faire ce que j'aime faire le plus, enfin de faire ça, faire la musique, partager, communier, et jouer avec mes amis, jouer avec des gens brillants musicalement et humainement, en fait. Ino Goka là parce que Ino passé des années avec Goka et c'est un qui m'a envoyé l'hôpital avec qui l'a passé qui soutient des années avec quoi et donc on a pensé Ino Adam quoi Ino Adam Ino fait pas premier fan qu'on fait l'hôpital avec et si on s'est démoin nous faisons concert aux Abîmes ensemble et donc voilà. Gino Sidson et ses amis vont se produire dans un concept original et totalement acoustique. Un grand moment de musique en perspective à voir sur la scène du Centre culturel Sonis, aux Abîmes.